La Tunisie, nouveau membre officiel du COMESA. Le pays du Maghreb est le 20e État admis au sein du marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui diversifie ainsi ses partenaires. L'adhésion de notre pays au COMESA constitue une opportunité prometteuse pour les secteurs publics et privés et les chefs d'entreprises industrielles et financières, pour la réalisation de partenariats avec leurs homologues dans le reste des pays membres de ce groupement économique. Cette adhésion était attendue par la Tunisie, une attente qui remonte même au début des années 2000. En 2005, la Tunisie avait demandé le statut d'observateur, mais il s'était heurté au refus de l'organisation. La COMESA, c'est quand même un marché à fort potentiel, fort enjeu en Afrique, qui regroupe des États qui sont assez dynamiques, notamment plus d'une vingtaine d'États. Et aujourd'hui, la Tunisie a besoin d'une ouverture à l'extérieur, en complément de ses débouchés traditionnels sur le marché européen, en Afrique. Et l'opportunité d'intégrer la COMESA sera une bouffée d'oxygène dont a besoin aujourd'hui la Tunisie pour améliorer ses performances économiques qui souffrent aujourd'hui d'un ralentissement important du fait de la conjoncture nationale et également du fait du ralentissement de la demande au niveau du marché européen qui est le marché traditionnel de la Tunisie. Le COMESA, lancé il y a 24 ans, en remplacement de la zone d'échange préférentielle, cumule actuellement un PIB de 1 200 milliards de dollars. L'admission de la Tunisie, de quoi nourrir également cet espace désormais élargi à l'Afrique du Nord.